retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, avec Fifi, en ce moment elle squatte, mais elle est dans sa phase casse-bonbon en ce moment. Elle est dans sa phase casse-bonbon. Ah oui, mon bébé d'amour. Oui, mais bon, maman l'aime, même quand elle est casse-bonbon. Mais en ce moment, je sais pas. Elle veut taper les chiens. Elle est super gentille, hein, pourtant, mais je sais pas. En ce moment, c'est... Elle a sa crise. Hein? Oui, elle a sa crise. Alors, aujourd'hui, Mitophasia, voilà. Hein, unboxing Diamond Painting avec la boutique Mitophasia. Voilà. Alors, on reçoit toujours les kits chez eux dans des boîtes en carton comme ceci. Donc, super bien emballé. C'était emballé dans deux plastiques. Donc, c'était vraiment très, très bien emballé. Je vous rappelle que si, par exemple, vous voulez un emballage plus costaud, je l'ai... Est-ce que je l'ai là? Hop. C'est-à-dire comme ceci. Voilà, si vous voulez que ça arrive dans un emballage comme ça, cet emballage-là, lui, est payant. Donc, j'avais fait la première fois pour voir ce que c'était. Mais après, bon, c'est bon, comme c'est emballé là-dedans, c'est suffisant. On va d'abord, avant de vous montrer le kit, je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors aujourd'hui, bah, de toute façon, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous montrer la toile parce que cette fois-ci, elle est, hop, voyez, elle est protégée avec un papier glacé. Voilà, donc on ne voit pas le dessin. Enfin, je vais quand même le déballer un peu pour vous le montrer. Alors, dans un kit, vous allez retrouver alors une lettre. Voilà, bon, c'est écrit en néerlandais, hein, donc Google Traduction fera son job, si vous le souhaitez. Un petit toolkit, comme ceci. Alors, avec une petite pince en métal, le petit carré de glu, le petit plateau blanc avec le bec verseur, voilà. Et un stylet avec un multiplaceur de 3. À l'autre bout, et là c'est 1. Et ensuite on va avoir bien sûr nos perles. Donc là ce sont les perles rondes, pareil, elles sont toujours réemballées dans des sachets comme ça, donc tout est bien. Et le kit en lui-même, bah, voilà, alors, hop, moi je vois, c'est dans ce sens là vous voyez, il est emballé, enfin emballé. Il est protégé donc avec une pellicule en papier glacé. Voilà. Bon, je vais quand même vous montrer le dessin. Voilà. Donc vous voyez, ben, c'est Chouchou qui l'a choisi. Hein, donc c'est ce qu'il aime. Moi aussi, j'aime aussi tout ce qui est un peu japonais et tout ça. C'est une, alors elle mesure 40-50. Voilà, c'est une 40-50 cm. Je vais regarder si Fifi veut bien se bouger la taille réelle. Ah, Fifi, tu veux bien bouger? Alors, elle fait la gueule parce que dans la précédente vidéo, vous avez peut-être pu voir, j'ai vu qu'elle avait un gros nœud sur ses fesses, sur une des fesses. Mais le nœud était tellement gros et serré, pourtant je la brosse régulièrement, hein. Ben, je viens de lui couper le nœud. Voilà, j'ai pris les ciseaux, j'ai coupé, parce que là, la brosse, déjà, elle aurait eu mal, la pauvre. Donc, je pense qu'elle me fait la gueule, parce que je vais couper une mèche de ses poils. Ah ben, Fifi, voilà, allez, hop, 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 voilà, elle a vu que j'avais ma grande règle, elle dit, je ne vais pas rester dans les parages. Alors, attendez, avant de vous montrer en détail, je vais déjà mesurer le dessin. Alors, il fait 50 environ
sur 40 et demi. Voilà. Donc, la taille qu'il donne, ah ben, c'est la taille réelle. Voilà. Je vais quand même me mettre face bureau pour vous montrer quand même au niveau de l'impression et vous montrer les perles que l'on a pour faire ce DP. Alors, ce DP aura 34 couleurs. Voilà. Allez, je change le téléphone de place. Voilà. Alors, comme vous voyez, il est mis sur un papier glacé. Alors, on va l'enlever un peu pour que je vous montre l'impression. Alors, c'est fait, c'est sur une toile, comment, pailletée. Et je vous montre au niveau de l'impression. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, il y a c'est des ronds. Les symboles sont entourés de ronds. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui n'aiment pas. Nous, on s'en fiche. Ça ne nous embête pas. Au contraire, je trouve que c'est mieux. Au moins, on les met bien droites. Bon, niveau impression, de toute façon, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est nickel. Alors, ici, vous allez retrouver la référence du kit, sa taille. Voilà, le nom de la boutique. En bas, vous retrouvez la page Facebook et les adresses des sites internet. Voilà, c'est une boutique néerlandaise. Et ici, alors là, vous allez retrouver, bon, on ne voit pas bien, mais je vous l'ai montré en image. Hein. La première colonne, ce sont les numéros des sachets. Les symboles, alors, les symboles, on va regarder de plus près, voilà. Hop. Donc là, on a des chiffres, on a des lettres majuscules. Voilà, et on a quelques symboles. Voilà. Et la dernière colonne, ben, c'est... les références DMC. Alors, on n'a pas de 310. On n'a pas de 939. Et on n'a pas le vrai blanc. Voilà. Allez, je vous montre les couleurs. Alors, il y a deux paquets. Ah ben, oui, c'est ça que j'ai oublié. Je vais vous le montrer en premier. On a une feuille de route. C'est pour ça que je ne trouve pas ma feuille de route. Voilà. Alors, je vous remontre le dessin. Vous voyez, très très belle. Alors là, ils mettent des petites explications pour montrer comment on fait. Et là, vous retrouvez la référence du kit, la taille, voilà. Et on voit que ça a été... Alors, pourquoi le premier? Ah si, mais je disais le premier, il n'a pas l'air d'être là, mais je crois qu'ils ont fait leur V en bas. Alors là, il y a un sachet, trois sachets, trois sachets, quatre sachets, cinq sachets, vous voyez, six sachets. Là, il y en a 14. Voilà. Vous savez combien de sachets vous avez. Et là, vous savez le nombre de perles. Ici, que vous avez. Là, ce sont les références DMC. Les symboles. Et les numéros qu'il y a sur les paquets. Voilà. Et pour ranger vos perles, moi je me repère toujours à ça. 1, 2, 3, 4, 5, c'est beaucoup plus facile pour ranger ces perles dans nos petits pots. Alors, les couleurs. Donc, elles sont découpées par couleur. Alors, je vous les montre. Hop. Voilà. Donc là, on a... Ce sont des petits sachets comme ça. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 200 perles dans les petits sachets comme ça. Voilà.
bleu. J'ai le ventre qui gargouille. Bon, et puis j'ai pas encore la grande forme. J'ai des vertiges. Dès que je me vide, vous savez, comme si vous aviez le cerveau qui se vidait. J'ai un petit souci hier soir. Non, c'est pas la grande forme. La fin de l'année n'est pas top hein, pour moi. Mais bon, ça ira. Je suis courir à la pharmacie hier à 6h du soir. Parce que à cette heure-là, mon médecin, de toute façon, il n'y avait pas de place. Donc, je suis allée à la pharmacie. Du coup, en plus, j'ai eu des médicaments qui ne sont pas remboursés. Donc, super. Alors, bah alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux pas te montrer? Il veut pas se montrer? Ah, voilà. Allez. Bon, ah. Fatigue, là. Aussi, c'est la fin de l'année. Le téléphone, il veut plus. Là, j'aurais bien m'acheter une... Bon, j'ai déjà une caméra, mais elle est... D'ailleurs, je vais la revendre. Elle ne me convient pas. Et j'aimerais bien en racheter une un peu plus performante pour faire mes vidéos. Mais bon, ça coûte des sous. Donc, on verra un jour, peut-être... Il y en a, hein, des coups. Allez. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier paquet. Hop, on va le mettre sur le côté. Et le deuxième. Allez, 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 montre-toi. Voilà. Et ici, on a un grand chapelet. Ah ben, c'est du combien, ça? 33,71. Donc, ça doit être celui où on en a 33,71. On a 38 sachets. Voilà. C'est un marron très foncé. Voilà, vous voyez. Là, il y a de quoi faire. Donc, c'est ça qui va remplacer le noir, on va dire. Donc là, ce sera un marron très foncé. Voilà. Bon, je ne vais pas faire plus de bruit. Je rangerai ça hors caméra. Donc voilà, je vous remontre celui que Chouchou a choisi, donc sur la boutique Myth of Asia. Je pense qu'il va être très très beau. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire, parce qu'il en a à faire, hein, vous le savez. Celui-ci, alors, par contre, vous avez un code promo pour passer commande sur le site Myth of Asia. C'est le mot Diamond, je vous le remets en incrustation sur la vidéo. Il vous amène 20% de remise sur votre commande.
Donc, c'est pas négligeable. Le kit que je viens de vous présenter, lui, est à 34,95 €. Oui, c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais bon, la qualité est là quand même. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Et puis, ils vont bien à faire. Ils collent bien. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de soucis avec ces kits. Chouchou en a déjà fait plusieurs. Donc, voilà, et vous verrez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur ce site. Il y a aussi des kits de créateurs. Donc, n'hésitez pas à les voir. Je vous invite à les voir. Vous recevez assez vite hein, aussi votre commande. Moi, là, j'avais fait mon choix le 1er décembre et je l'ai reçu le 17. Voilà, bon, une petite quinzaine de jours, une quinzaine de jours pour que ça arrive. Donc, c'est un délai tout à fait normal et bien. Voilà. Je remercie encore beaucoup la boutique Meet of Asia pour leur générosité et leur confiance qu'ils me renouvellent à chaque fois. Toujours très heureuse de présenter leur kit. Voilà. Je vais vous laisser, ben voilà, il y a Fifi qui vient vous dire au revoir également. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.